quand j'étais petit, nous nous rendions sur le sommet de la plus haute tour de la cité. On rêvait d'échapper, l'espace de quelques secondes, à l'attraction terrestre. Daniel, tu vas tranquille jusqu'au meeting, hein? Ouais, t'inquiète. Ouais, faut que j'aille aider mon frère à faire un dernier petit truc. Qu'est-ce que t'as à faire? Dans 2 jours, je te rends entièrement pour moi. Faut que je te parle d'un truc. Quoi, tu vas me faire la morale pour les roues encore? Allez, frère! Je veux juste voir si vous bicrivez pas derrière mon dos. Et des règles maintenant ici. Soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. Le rouge là, c'est Mars et Vénus qui se reflètent dans le ciel. Et ça va devenir de plus en plus rouge. Jusqu'à l'alignement. Il n'y a pas de boss, c'est une vraie confrérie leur truc. Ça fait 3 piges que j'attends ce moment. Je veux récupérer les sous comme toi. Tu as rien dit? Je sais pas, je croyais que c'était ta force de jamais vouloir décevoir les gens. Après cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même. Tout va repartir à zéro. Vivant, vous avez été des parasites, et mort, vous allez servir de pilier à cette cité. Putain, mais c'est moi qui me sacrifie! C'est moi qui mets David de côté pour que tu montes sur un putain de podium! Tu pouvais te barrer, loin d'ici là, loin du quartier. Je partirais? Ça fait 20 piges qu'on s'est pas parlé. Et tu me demandais à moi de te rendre un service? C'est quoi là? Une histoire de sous, de drogue, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a?